Alors me revoilà. Donc, alors par contre, pour les vidéos que j'ai fait juste avant, je sais pas si je vais les poster telles quelles. Au pire, je les referai. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que le son passe, ma voix baisse énormément. Donc je sais pas si c'est un effet voulu de Fraps ou pas. Mais bon, j'ai quand même baissé le son de ITG pour qu'il soit à moitié pour cent à la moitié du son du casque. Donc en théorie, on devrait m'entendre. Je reviens sur YouTube. Je reviens sur ma chanson. On est parti. Je refais un petit play. Ouais, non, je me gaffe. Donc là, ce que je voulais faire, c'était faire des gimmicks. Alors, pour faire des gimmicks, c'est en fait bien plus simple qu'on pourrait l'imaginer. Supposons que je vais faire des gimmicks entre des flèches et là. Voilà, c'est le truc très simple. Je vais faire des effets entre toutes ces flèches-là. Alors, le truc qui est important, c'est que quel que soit l'effet que vous mettez, il faut toujours que la current seconde qu'on voit en haut à droite de la flèche soit toujours égale à celle qu'il y a par défaut quand il n'y a pas de gimmick. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je note toujours sur une feuille de papier. Par exemple, donc là, je vais faire des gimmicks sur ces quatre flèches-là. Je vais noter sur une feuille de papier pour m'en souvenir, tout simplement. Je vais noter sur une feuille de papier les quatre current seconds. Donc là, ça fait 11. 11 745. Là, on a 11 952, 12 159 et 12 366. D'ailleurs, j'y pense, je vais enlever ce petit rush qui sert à rien. On va faire hop, hop. Voilà, une belle petite diagonale, magnifique. Alors, donc, ici, je vais faire un gimmick classique, on va dire, c'est-à-dire accélération et stop. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais changer le BPM. Alors, je garde aussi en mémoire que le BPM, c'était 145 tours. Parce que je vais devoir le remettre à chaque fois si je veux redevenir à mon état, si je veux revenir à mon état normal. Donc, là, je vais faire un changement de BPM, Edit BPM Change. Je vais mettre 200. Et là, ce que je vais mettre, donc là, je vais remettre 145. Oh, quoique, j'ai même pas la peine. Voici, je vais remettre 145 pour l'instant. Non, ça sera pour la deuxième unité. Donc, je mets 200. Et pour compenser, je vais mettre un stop. Alors, pour les stops, on peut le faire avec. Ah oui, mais j'ai oublié de préciser les raccourcis. Alors, pour les BPM, alors moi, j'utilise rarement les raccourcis. Les raccourcis pour changer les BPM et les stops, mais c'est F8, F7 pour augmenter et diminuer le BPM. Et ensuite, si vous laissez Alt appuyé, vous le faites de manière beaucoup plus précise. Là, je le fais de 1 en 1 au lieu de le faire de 2 en 2. Mais moi, perso, j'utilise rarement les raccourcis. Et pour les stops, c'est pareil, sauf que c'est F9, F10. Tiens, ça agit sur. C'est bizarre ça. Ça agit sur les chiffres de frappes. Bon, peu importe. On va supposer que c'est pas bon. Donc là, ça fait de 2 en 2. Et pareil, si je laisse Alt appuyé, ça fait de manière très 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 lente. Donc il faut que j'appuie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour arriver à 9. C'est-à-dire que je fais un stop de. J'avance de 0,001 seconde en faisant Alt F10, et donc je recule de 0,001 en faisant Alt F9. Mais non, comme je le disais, je n'utilise pas ça. Enfin, quoique. Ah si, pour les stops, en fait, c'est ce que j'utilise. Bon. J'espère que ça va pas foirer mon fraps en faisant des F10. Donc. Je vais passer. Alors, je vais faire un stop de 4. Et donc, oui, parce qu'en fait, pour les BPM, j'utilise pas. Mais bon, je peux aussi faire Edit Stop. Pour dire je veux un stop de 0,5. Mais en fait, si on rentre dans le menu à chaque fois, c'est relou. Donc là, ce que je veux, c'est que je veux que ma flèche arrive à 745. Donc là, elle est 738. Donc là, c'est très simple. Il manque 7 secondes. Il faut que je rajoute un stop. Il faut que je rajoute
Qu'est-ce que je raconte? Il manque 0,007 secondes. Il faut que je rajoute 0,007 secondes au stop qui est là. Donc je fais Alt et je fais 7 fois F10. Normalement ça devrait être bon. Nickel. Donc là j'ai fait ma première gimmick. C'est-à-dire que il y a eu. La charge va être accélérée, mais il va y avoir un stop. Donc ça veut dire que la lecture va se bloquer là et elle va arriver rapidement ici. Donc là c'est genre de gimmick classique. Et si je voulais, je pourrais continuer, je pourrais mettre des gimmicks très violentes. Genre par exemple, non, c'est pas ça, qu'est-ce que je fais moi. Je pourrais mettre des gimmicks genre très très violentes, du genre moi je sais pas, je vais mettre 600. Et puis là je vais mettre un stop très agressif du coup. Je vais mettre au moins F12. Donc là, ma flèche était à 952. 955, j'y suis presque. Donc je fais Alt F9 3 fois. Et je suis à 952, parfait. Là, je vais faire on va faire un gimmick uniquement avec des BPM, c'est-à-dire à la un peu effet comme dans... Merde, comment ça s'appelle ? Comme dans Rock'n'Roll de la version Flash, avec les frises qui accélèrent et qui ralentissent, et ensuite ça réaccélère et ralentit. Ou comme dans Face to Face que j'ai fait. Comme dans la version Face to Face que j'ai fait. Donc pour ça, il faut augmenter le BPM. Donc là en fait, il ne faut pas de stop. On augmente le BPM, on l'augmente assez violemment, on va l'augmenter à 400. Et juste avant que la chanson arrive à la flèche, on va le diminuer. Ah, je peux pas. Bon, on va le diminuer. On va faire. On va le passer à 50. Bon, là, je mets des chiffres au hasard et ensuite je jugerai. Hop. Et donc là, je veux le putain pile poil. Donc, je voulais 1259 et là, j'ai 1259. Bon, bah, c'est nickel. C'est nickel, j'ai envie de dire. Et là, je vais faire. Et je vais faire des gimmicks qui tremblent un tout petit peu. Je vais faire une sorte de gimmick qui tremble. C'est-à-dire que je vais mettre, au lieu de 145, je vais mettre, je sais pas, 300. Et je vais faire des tout petits stops. On va faire des tout petits stops en violet. On va faire hop. Alors là, j'y vais un petit peu à tâtons. Je vais en mettre. Ça va être trop ça. 359 et je devais 366. Donc ça veut dire qu'il faut que... Ah bah non, si c'est à peu près bon en fait. Bah si, il faut que je rajoute là aussi. 379, donc là c'est trop. Donc je vais enlever, pour que ce soit à peu près égal, je vais enlever 0,001 à chaque fois. Bon là on le voit pas, mais à chaque fois je fais Alt F9. En fait j'enlève 0,001 sur chacune des touches. Donc là je suis à 373 et je vais être à 366. Donc je vais encore le faire, je vais faire Alt F9 sur chacune. On le voit pas, mais je le fais. Et là, je suis à 367. Bon, je vais rajouter un petit claque. Et donc là, on revient à 145. Le BPM par défaut. Et là, je vais continuer ma charte, histoire de faire genre que tout est normal. Donc, je vais play ma chanson et je vous laisse observer. Bon. Il n'y a pas eu trop de différence entre chaque gimmick. Mais bon, on va dire que c'est acceptable. D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est faire comme ça, de manière beaucoup plus violente pour que ça se voit beaucoup plus. On va être 1500, allez hop, parce que moi je suis un violent, et on va augmenter. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, faut que je me mette en... pas comme ça, en comme ça. Bon, je mets les chiffres au hasard, hein. Je sais pas ce qu'il faut mettre. Hein. Ouais, ça va être trop là.
406 et je dois arriver à 366. Ouais, c'est beaucoup trop. Fuck. Là, je fais 4 fois Alt F9 sur chacune. J'y vais vraiment à tâtons en fait. J'essaye d'équilibrer chacun des stops. 382. Oh putain, vas-y, ça me saoule quoi. Vas-y, j'ai enlevé celui-là, ça m'énerve. 348, bon, moi là je suis trop. Alors, je vais rajouter, hop, 368. Ah, j'y suis presque. Je vais enlever 2 de là. Là, normalement, je devrais être à 368. 306, comme sur mon papier. Ok, c'est bon. On va essayer. Ça doit être plus que tout si on met un freeze en fait. Voilà, non. J'avais dit un freeze. Ah, peut-être si, je sais. Pour qu'on observe mieux, je vais mettre un petit rate. Je vais mettre un petit rate pour qu'on observe mieux. Je vais mettre aussi un petit peu plus haut. Qu'est-ce que c'est moche? Genre... Alors par contre, ce qui est dommage, c'est l'effet de accélération-diminution, on la voit pas trop. Donc je vais la faire beaucoup plus bourrin. Je vais la faire qualifier. What? Pourquoi il will disqualify? Pourquoi? Pourquoi? De quoi tu me parles? Ah oui, music rate. Bon, revenons. Edit design change. Je vais mettre 1000. Non, je vais mettre 800. Comme ça, là-bas, je mets 25. En théorie, normalement, ça colle. Là, je mets 25, ça devrait coller. Ça colle. Alors, c'était quoi le chiffre? 280. Et moi j'ai 159, ça colle absolument pas. Comment se fait-ce? C'est-à-dire que le BPM est trop élevé. Ah oui, en fait, oui. C'est comment pour augmenter le BPM, c'est ça? C'est pas ça, c'est F8. Là j'y vais à tâtons encore une fois. 216. 171, je suis presque. 155. En fait, j'aurais pu l'augmenter vraiment beaucoup plus bourrin, quoi. 163. 162. 161. 159. Ah, mais non, je suis bête, j'aurais dû le mettre ici en fait. Attends. Ça beaucoup plus visible. Là, on va laisser 800. Ah oui, alors, quand on remet exactement le même BPM que ce qui est juste au-dessus, ça l'efface. Comme ça, si jamais vous voyez que vous faites beaucoup de changements de BPM et que ils sont toujours là, que ça vous fait chier, vous regardez le BPM qui est au-dessus et vous mettez exactement le même. Comme ça va l'effacer. Une petite technique pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, on va mettre 1000. On va mettre 2000 parce qu'on est des fous. Et là, on va descendre à du coup ben, très très peu. Genre 100. Je sais pas, je dis ça comme ça. Oula, 1210. Ouais. Attends, je suis à 1210. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait que je diminue encore. 1230. Soixante-six, j'y suis presque. Hein? Ah merde, j'ai dépassé. Je suis con, oui. 1259, bah voilà. On va mettre un chiffre rond. C'est des BPM, c'est tellement changement. Bon.
Voilà, 12,59. Voilà, on va repasser le truc. Je vais le remettre en vitesse normale, même si on va pas avoir grand chose parce que ça va trop vite. Faire des exemples sur des flèches qui vont se passer aussi. Toujours, je sais pas, hop, hop, hop. On va refaire un petit exemple. Ah, il faut que je mette les flèches d'abord. Alors, 14 435, 14 849, 15. 263. Donc en fait, on peut faire tous les effets qu'on veut, mais vraiment tous, tant que les temps sont les bons. Je peux même très bien faire des flèches, entre guillemets, comment on appelle ça, des flèches invisibles, quoi, si je veux. Comment je pourrais faire ça? Enfin, c'est simple. Donc là, je suis revenu à 145, hein, on est bien d'accord. Ouais. Là, je vais mettre les BPM, je vais mettre un BPM complètement 10 millions. Allez hop. Donc 10 millions, ça fait que tout est immédiat en fait. Regardez, le 40 secondes, ici, il bouge pas. C'est immédiat. Donc en gros, si je fais ça, la charte se finit en un coup. Donc ce qu'il faut que je fasse, donc, c'est que là, je vais remettre. Là, on va remettre. Merde, comment on appelle? Je vais mettre sur quoi? Sur le. Ouais, du blanc. Sur du vert, excusez-moi. Pourquoi ça a mis des chiffres au hasard? Bon, Joseph, de toute façon, à 10 millions, on est pas assez près. 10 millions, on est pas assez près. Donc là, je vais remettre 145. Et donc là, pour que le temps soit égal, donc qui est égal à 435, je vais mettre un gros stop ici. Je mets un gros stop ici ou un gros stop ici? Qu'est-ce qui serait le mieux? Donc, la flèche ça, on s'arrête de valider, la flèche réapparaît. Non, vaut mieux mettre un stop ici. Parce qu'en fait, si on met le stop là, ouais, mais bon, de toute façon, la flèche elle est bien assez loin, on aura le temps de la voir. Bon, on va mettre un stop là. Au pire, on peut faire les deux. Donc je vais mettre un stop. Alors, combien faut que j'arrive 2 secondes? Donc là je suis à 125, il faut que je passe à 435. Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute roulement de tambour 220. On va faire simple, on va mettre 220, on va mettre 0,11 ici. C'est pas ça. 0,11 ici. Donc là je vais faire des halt. Hop là, je passe à 11 là. Et on va mettre 0,11 ici. En théorie, je suis bon. Ah, je suis quand même à côté de la plaque là. Comment se fait-ce? Attends. Ah, mais non, c'est 320. Non? Bah oui, c'est 320, je suis con. Putain, le calcul mental et moi, ça fait mal. Hein. 385. Et là, je dois être bon. Voilà, je suis pile poil. On va jouer la charte. C'est un peu bizarre à jouer. Ah, et aussi F8. En même temps, ouais, c'est un peu bizarre parce que vu que le rythme c'est tac tac, vu que le rythme c'est rouge bleu, faire. Bon. Peu importe, c'est des exemples. Je pense que vous avez compris. Je commence à être fatigué de parler. J'avoue. Donc, bah voilà, j'ai fait le tour des gimmicks. J'ai fait comment mettre on beat, comment faire fonctionner une chanson. Je pense qu'on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Je quitte et je vais vous montrer dans la dernière vidéo comment renommer la chanson.